J'ai la lourde tâche de conclure cette journée, mais en fait, j'ai envie de vous faire une proposition. C'est tout d'abord, je pense que c'est Jérôme Adam qui a conclu cette journée. Et moi, je vais un petit peu rajouter deux, trois petites choses. Il y a eu, dans ce qu'il a énoncé, beaucoup d'éléments. L'humanité, l'amour, où est-ce qu'on place le curseur? Et je pense que ces éléments-là, pour l'entourage, sont fondamentaux. Et voilà, je voulais déjà me dire que j'avais un peu simplifié ma conclusion parce qu'il avait dit beaucoup, beaucoup de choses et que passer après lui, c'est pas évident. Donc voilà, je voulais déjà vous le dire. Je voulais dire aussi que cette journée, elle est, en tout cas unique au sein d'Addiction France. C'est la première que l'on fait sur cette thématique. Et que j'ai retenu quelques mots, j'ai pioché des mots toute la journée. Elle a mis en lumière celles et ceux qu'on ne voit pas et celles et ceux qu'on n'entend pas. Ça me semblait très très important de rappeler cet élément-là, de rappeler leur parcours, de mettre en valeur leur parcours, leurs difficultés, leurs souffrances. Et en même temps, on voit qu'il y a ce socle fort d'espoir qui était là. Donc, je crois que c'était aussi cet objectif-là. Elle a aussi mis en lumière la nécessité, et là je vais être un peu plus claque, d'informer, de créer du partenariat. Et je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie, ça c'est clair. Il y a plein de structures. Donc, les associations, on a parlé de proximité. On a un peu parlé, mais rapidement, on a des numéros verts gratuits qui existent, hein, drogue info service, alcool info service, etc. Info service. Donc moi, j'ai envie de proposer aux personnes de l'entourage de téléphoner, de les appeler. On a parlé des associations, je vais pas revenir dessus. On a parlé des structures plus professionnelles que sont nos structures XAPA, Addiction France Angers. Je sais que dans le hall, il y a les adresses, hein, où vous pourrez aller. On a 78 structures de soins sur tout le territoire, 12 structures CARUD que Mireille présentait tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment envie d'encourager les structures, les personnes de l'entourage de s'orienter vers ces structures-là. Il n'y a pas qu'Addiction France qui gère des structures, il y a plein d'autres structures sur toute la France. Le site d'Addicted aussi, où vous trouverez plein de coordonnées, donc allez-y. Donc ça, c'était aussi cet élément-là qui me semblait important. L'élément aussi qui est important, c'est, je crois que, enfin, il y avait quand même aussi se prendre soin de soi en tant qu'entourage. Et je crois que ça, c'est aussi une boussole que les personnes de l'entourage qui sont présentes aujourd'hui doivent retenir, parce qu'on voit qu'il y a après plein de choses qui vont faire bouger. C'est vraiment, moi j'ai vraiment retenu cet élément-là. Après, si je fais une petite focale sur Addiction France, je pense qu'aujourd'hui, cette journée, elle est un beau défi pour notre association, pour se dire comment on avance maintenant. Parce que là, on a été, en tout cas, je trouve, interrogés sur notre capacité à informer, notre capacité à créer du repérage, notre capacité à former nos professionnels. Comment est-ce que nos professionnels, comment nous, institutions, nous changeons de regard sur l'entourage et sur sa place au sein de notre association? Autant d'enjeux sur lesquels on va travailler dans les mois qui viennent. Et ça me semble quelque chose qui peut être aussi un beau défi et un beau challenge pour nos organisations. Avec, je le partageais ce midi, quel parcours au sein de nos structures de soins nous proposons aux personnes de l'entourage. Et j'entends entourage au sens très large. Hein. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut qu'on... Alors, Avignon a proposé, je sais qu'il y a plein de structures qui font plein de choses, mais comment on arrive un peu à se mettre autour d'une table et à réfléchir et à se dire que Addiction France porte ces éléments-là. Bref, vous avez compris que, en tout cas, à titre très personnel, et pour moi, cette journée, elle a été riche, elle a été touchante, elle a été stimulante, elle a été enthousiasmante aussi. Je voulais remercier les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée. Tout d'abord, la direction de la communication et de l'animation associative et du plaidoyer. Je voudrais qu'on applaudisse
fort, voilà, Cécile et Yelena qui ont contribué à cette réussite. Merci à elles. Je voudrais également voilà, qu'on applaudisse aussi fort l'ensemble des modérateurs et l'ensemble des personnes qui sont venues témoigner, parce que pour certaines, c'était la première fois qu'elles étaient ici. Et vraiment, c'était de très, très grande qualité. Donc voilà, pour elles aussi. Je conclurai en vous disant que Addiction France s'interroge aussi à reproduire ce type de manifestation. Donc vous recevrez, l'ensemble des participants recevront un document portant sur l'évaluation. Et on se dit que si il y a une bonne évaluation, si on évalue que ça a plu, si voilà, et bien peut-être qu'on pourrait reproduire ce type de journée au niveau national. Peut-être qu'on pourrait demain aussi reproduire ce type de journée dans d'autres formats dans les régions, puisqu'on est présent sur tout le territoire français. Et du coup, moi, je vous encourage à travers cette évaluation à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Est-ce qu'il y a des thématiques qui vous intéresseraient demain, sur lesquelles vous souhaiteriez que notre association organise une journée comme on l'a faite aujourd'hui. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre participation et pour votre présence, et puis à très bientôt.